Et salut à tous, c'est Tana. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mod My Team sur F1 2020. Et comme vous le voyez, on est aujourd'hui dans les ruelles de la Principauté pour le Grand Prix de Monaco. Donc ça va être chaud, ça va être même très très chaud. C'est pas un circuit que je porte tout particulièrement dans mon cœur, mais quand même, c'est un circuit que j'ai réussi un petit peu à apprendre et à maîtriser au cours de ces derniers mois. Donc bon, j'ai eu la surprise, la très bonne surprise de voir que sur ce F1 2020, j'ai l'impression d'être relativement performant à Monaco. J'ai réussi à attraper la 11e place. J'ai même failli, en fait, jusqu'aux dernières secondes, j'étais P10. Donc, potentiellement, j'aurais pu passer en Q3, mais malheureusement, je me suis vraiment fait griller la politesse dans les dernières secondes. Donc bon, c'est pas grave, P11 c'est quand même très bien, c'est même peut-être même un petit peu mieux, parce que c'est une position qui me permet de choisir les pneus pour le départ. Donc on va voir ça. Petit récap avant de jeter un œil à la stratégie. Donc on t'est fait dépasser malheureusement dans la hiérarchie par As, ce qui fait qu'on est désormais l'avant-dernière écurie en termes de performance. On dispose, cela dit, d'un très bon moteur. Donc voilà, j'espère que ça va plutôt nous aider ici à Monaco. Moi j'ai beaucoup chargé en aéro pour être rapide dans les sections sinueuses, forcément. Donc dans les lignes droites ça va nous pénaliser, mais vu qu'on a un bon moteur, j'espère qu'on pourra compenser là-dessus. Une deuxième chose importante que je voulais dire, c'est qu'on part là aujourd'hui avec des composants quasiment neufs sur le moteur. On a tout remplacé. Donc du coup j'espère vraiment que ça va nous permettre d'avoir une voiture qui nous permet d'essayer de défendre cette 11e place. Objectif du jour. Monaco généralement j'ai plus de difficultés, on va dire que dans la qualification c'est pas trop le problème, j'arrive sur un tour à être très très rapide en prenant beaucoup de risques. Sur une course c'est quand même plus compliqué, j'ai traditionnellement tendance à être plus lent en rythme de course. À Monaco, ça pardonne pas trop. L'avantage, c'est que c'est très difficile de dépasser. Donc, j'espère pouvoir conserver ma position. Allez, on va être un petit peu audacieux aujourd'hui. Je vais essayer de miser sur une place dans les points. Voilà, je sais pas si on va réussir. Mais en tout cas, ça va être notre objectif pour aujourd'hui. Alors, voyons voir. Donc, du coup, cette stratégie. Ah, bah voilà, ça me semble parfait. Ça me semble parfait. Partir en jaune, faire un arrêt au 19e tour, passer sur les blancs, terminer comme ça. Ouais, en effet, je crois qu'on va rester là-dessus parce que, bon, évidemment, Monaco, étant donné que c'est extrêmement difficile de dépasser, il faut essayer de faire le moins d'arrêts possible au stand. Cela va de soi. Donc, je vais prendre place dans ma monoplace. Hop, et on va lancer ça. Alors, au niveau de l'essence, comment je suis là? 39,7. Je vais peut-être mettre, allez, un tout petit peu plus d'essence quand même, histoire de pouvoir jouer sur le régime moteur. Allez, je vais être très concentré, je vais essayer de pas faire d'erreur, de faire le moins de replay possible. Donc je vais pas être très très bavard pendant cette course, mais en même temps, je pense que ça se passe de commentaires. Allez, c'est parti. Sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Alors, oulala, j'ai les pneus extrêmement froids là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, on va faire vite fait, bien fait chauffer tout ça là. Très lent là dans l'épingle du lobe. Alors qu'il est parti en pneu rouge hein, devant moi là, forcément. Derrière moi tout le monde est en jaune. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. Et...
Allez, on va se mettre en place. Et on va attendre l'extinction des feux. Rendez-vous au premier virage. Ça va être chaud, chaud, patate. On va essayer de pas s'accrocher surtout, hein, et de maintenir notre position, ce serait bien. Fais attention au feu. Le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Allez, c'est bien, on a gagné une place. Tu commences bien, bon boulot. Petit à petit notre retard sur la voiture de devant. Il faut poursuivre sur cette lancée. Ouais, je vais le remettre celui-là juste parce que j'ai pas envie de me reprendre de deuxième pénalité ici, c'était bêtement. En plus de ça, j'ai freiné, j'ai ralenti, j'ai absolument pas gagné de temps, donc... Ah, il a fait une erreur, punaise.
On a tenté, c'était un petit peu juste. On se rapproche là, j'ai l'impression que les roues sont en train de se dégrader côté Perez. On a touché Perez. Tournez une seconde plus vite que la voiture de devant. Continuez. La boîte de vitesse pose problème. Essaie de limiter tes changements de vitesse. On m'a surpris, Stroll.
nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. J'ai perdu la seconde. Tu as perdu une vitesse à cause d'un problème mécanique, je répète, tu as perdu un rapport. Vas-y, mets les gaz. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. On risque de recevoir une pénalité pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Manuel est au stand. Tu attaques trop, ça use beaucoup ta boîte de vitesse. Creuse l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière.
Votre retard sur la voiture de devant est de 3,6 secondes. Derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Surveille tes pneus, surveille tes pneus. Voici l'écart avec notre coéquipier, 32,5 secondes. Il y a une vitesse que tu ne peux plus engager. On a perdu un rapport à cause d'un problème de boîte. J'ai perdu la seconde encore une fois.
retard avec la voiture qui nous précède est de 7,8 secondes. Reste à peu près 3 tours de carburant. Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. Tu perds un peu d'avance sur la voiture de derrière, ne te relâche pas. L'écart avec le pilote de devant est de 8,6 secondes. Avec la voiture derrière nous est de 6,8 secondes. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Pouvoir tenir ce rythme encore longtemps. On a à peine un tour d'avance.